Sougine aime tant de nouvelles, Sougine aime tant de paroles, eh eh. Nanguine aime tant de nouvelles, Sougine aime tant de paroles, eh eh. On est respect pour nous toutes. C'est Pigou Nouvelle, tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 départements pays d'Haïti. Avec Pigou équipe nouvelle, ak pilage couverture tout pays. Plus passe yon vingtaine correspondant pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passe yon quinzaine journalistes ou reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle laï, depuis ces nouvelles, ou attendez-le sous Radio Guinée. Pigou garantie ou gen, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yon bon nouvelle la, j'en liye ya. Fait l'autre monde tende nouvelles sous Radio Guinée. Le nouvel nou yo, 3h du matin, nouvel Douvanjou. 6h du matin, nouvel Natif Natal. 8h du matin, nouvel 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h après-midi, nouvel la nan bon timamit. 7h aswe, nouvel tout pays a en détail. Radio Guinée, pigo équipe nouvelle ak pilage couverture tout pays a. Depuis ces nouvelles, wap tendel sous Radio Guinée. Yon expérience Natif Natal. Mais quelques principales informations cap dominé actualité à 17 moun joine arrestation 7 zam différents calibres saisis. C'est bilan opération la police menée dans commune Kwadebouke sorti 10 pour arriver 19 décembre 2018 selon commissaire principal Ronald Pierre. Commission économique et finance dans chambre députée a rencontré mercredi 19 décembre ministre planification Jean-Claude Pierre dans cadre analyse projet loi finance 2018-2019 là. Président groupe éducation économique et financière qualifié projet loi finance pour exercice fiscal 18-19 ans de budget déficitaire dans une conférence pour la presse mercredi 19 décembre 2018 là, dans l'hôtel Marriott toujours. Fondation haïtienne pour agriculture et relance économie organisée dans soirée mardi 18 décembre 2018 là, une grosse cérémonie pour remettre prime première édition prix à Frédéric Kébrois. Mesdames, Messieurs, point savoir qu'un pilote qui pourrait le faire essentiel nouvelle là. Redbocher pour détail. Oh, ton tira. Bon, j'ai une nouvelle chaud dans le pays ça. Il y a des nouvelles et puis ou fermer radio. Ah, mon cher me fatigue là et puis me dit bon me reposer. Moi, je prends à 3h du matin. Oh, j'ai une nouvelle à 3h du matin. Oh, oh, et bon, pas la feuille. Radio Guinée Godi, son nouvelle que les nouvelles d'ouvrant jour à 3h du matin. Bon, ma bon dernier causement. Pas fourré dans le non. Bon, mon nous pas ta pensée. Tant de nouvelles là. Yon l'autre fois, mesdames, messieurs, gros salutations pour nous toutes. Bienvenue dans Développement Information. Toute nouvelle Radio Télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. La police dans la commune Kwadebouke présenté mercredi 19 décembre 2018 là. Bilan opération, yon réalisé sorti 10 pour arriver 19 en décembre. 17 moun jwenn arrestation, 3 machines, environ 40 téléphones avec 7 armes différents calibres saisis. Commissaire principal Kwadebouke, Ronald Pierre, fait qu'on est police nationale là, recevoir instruction formelle pour freiner les actes banditisme dans la commune. Depuis le début du mois de décembre, j'ai été convoqué tout responsable juridiction pour être capable prendre responsabilité dans la zone par eux parce que l'insécurité a monté en pile. Depuis lors, DCP a été monté en team avec policiers Utmo, Simo, policiers Brissif pour que l'été vienne en rapport avec toute juridiction. Dans ce sens-là, on a adapté 10 décembre et nous avons eu support avec DCPA. Nous avons fait une opération dans une zone qui est les Rémi, qui est une zone qui est très criminogène, qui est un gang qui est dirigé par un certain sévère, ainsi connu. Nous avons procédé à l'arrestation 8 personnes et puis nous avons saisi 4 personnes qui sont dans Rémi. Parce qu'il y a une sorte d'amitié que la communauté a développée avec une confiance que la communauté a développée avec la police. Qui permet de dire là, nous venons d'une information en temps réel, automatiquement, dans la zone, la communauté a réel et nous débarquons dans la zone. Nous avons plusieurs armes, nous avons 9 mm, nous avons plusieurs 38, nous avons 65, nous avons fusée 12, avec tout ça, tout ça. Mais ce n'est pas celle-là qui nous fait. Nous avons une date 10, nous avons remis. Le 15 décembre, nous venons aller à côté que les Dimisso. Dimisso à son côté qui trouvait lui entre Kwadebouke, Gantier et Tomazo. Là, il y a un écrit les Wilson. Joseph, il bat tête lui non la mort.
c'est monsieur Gongong qui a dirigé là côté que était Léo Kembe mon soit sur Malpass soit sur Thomas Zoa yo volé machine yo volé laptop c'est ensemble de matériel qui on faisait dans même monde une cadre opération de mener en dimission avec support encore de CPA devant nous avec tout team lien nous t'est arrivé saisir ni zam ni laptop matériel ça non Rémi le 10 nous t'est posté à la station 8 non mon ça que temps actuellement là la justice a tranché sur et non opération nous fait dimission nous a arrêté 6 monde. Nous étions allés à la justice 14 mois. Et puis, mais depuis les DG fin d'instruction, pas celle, même l'en bagage support de CPA, le commissariat fait opération pour Colt. Parce que nous avons une opération que nous menons seulement avec le policier quoi des bouquets dans Bamon Cabrit, côté que nous procédons à l'arrestation. Trois mois, nous saisissons une machine volée et puis nous saisissons des armes dans le cadre d'opération. Donc, le message est clair, c'est que l'état-major police là mettait tout responsable en confiance pour qu'il travaille, pour qu'il travaille pour nous. Et ça, tout qu'on a cherché, c'est la paix. Et surtout avec la période fin d'année, et que déjà, avec les autres, ils sont d'accord pour qu'on ait une juridiction pour que les autres soient d'accord dans la justice. C'est ça qui fait que l'opération a mené de tous côtés. Qu'on a, depuis nous, les DCPA, la pour les backup pour nous, pour qu'on ait une chose à la zone. Matériel, ça, nous avons un monde, parce que nous avons un laptop là, à côté que si nous devons arriver, moi, c'est là ça voler pour nous. Nous avons demandé tout le monde qui a gagné un matériel qui a volé dans la zone de Bamon Cabrit, sur route Malpass, pour passer dans le commissariat à avoir des bouquets, pour regarder, puis si matériel ça, ce n'est pas matériel qui a été volé dans la main, ni 4 ça, nous avons fait l'islam. Et puis là, il y a dans ces dossiers, pour que nous fassions rassurer que tout le monde rejoigne le matériel. Eh bien, les gens qui ont volé, ils ne vont pas voler. C'est là où ils ont la caillou, dans la base, il y a l'ouvrir la liste. Donc, tout ça, c'est là, c'est pareil, monde qui a volé. Donc, quelque soit le monde qui a des bagages perdu dans la zone, soit route Malpass, soit Bamon Cabrit, soit dans André Tomazo, ou passe dans le commissariat à voir des bouquets, pour garder pour ces matériels qui sont des matériels pour là-dedans. Et nous avons une investigation, mais tout est en différé parce que nous demandons tout pour respecter le droit du monde. Nous avons déjà toute réunion fait avec nous, pour arrêter le monde, faut différer dans le délai impartial pour ne pas arrêter trop de temps dans le commissariat. Donc, quelque chose à nous arrêter là, dans le délai que la loi prévoit, nous avons transféré devant le juge pour statuer sous cadre. Nous avons 8 ans en tout, nous avons 17 personnes qui ont arrêté, et tout le monde qui a arrêté, tout est en déféré devant le juge. Nous avons 3 machines saisies, nous ne pouvons pas faire contact avec eux, nous avons informé tout le monde qui a des machines qui volent, soit en bas de Cabrit, soit sur route Malpass, puis ils passent dans le commissariat. DDO, DCPA, DG, ils sont tout clair que et la force doit rester à la loi. Dans la fin d'année, là, nous prenons engagement pour que les gens rassurent que la passion fait fin d'année en paix parce que l'opération tout côté et nous n'avons pas l'heure. Quelque chose à côté où il y a, on est bandit, changez métier. Si vous ne changez pas métier, vous avez deux ou trois faire, vous allez en prison ou bien vous quittez métier. Ça clair sur ça. C'était Mme Monsieur Ronald Pierre qui est responsable commissariat commune Kwade Mbouquet qui t'a présenté bilan opération la police dans la commune ça mené sorti 10 pour arriver 19 décembre 2018 là. Police nationale là dans le département nord-ouest dans une conférence pour la presse fait qu'on a toute disposition déjà prend là pour assurer sécurité population département ou encore population département nord-ouest là pendant période fête fin année. Oui, comme est-ce depuis Port-de-Paix pour plus de détails. Direction départementale police là, dans notre adresse présentée, la presse m'a dit 18 décembre 2018 là, plan sécurité yo en temps appliqué pour fête fin d'année yo. Porte-parole PNH là, dans la région, inspecteur Léonel Joseph dit, yo vrai, tout le monde va acquérir l'activité yo, et sans problème, c'est pour raison ça, yo établi plan sécurité ça, qui l'a bail en deux de un plan de sécurité que directeur départemental là, et élaboré, c'est lui-même jeudi à nous qui nous parle parler avec en long et en large, et c'est sous les tours, on n'a pas toutes données que nouveau directeur là, comme nous connaissons déjà, c'est Auguste Monès, qui est directeur départemental, qui mettait plan ça à exécution de toute unité, service, responsable et policier qui travaille dans différents lieux de police. Objectif que direction départementale en visée, premièrement, c'est assurer que période fin d'année ça, car était intact et stable, j'en ai eu un plan de sécurité que le directeur départemental a élaboré. Et c'est lui-même, je dis à nous, nous allons parler avec elle en long et en large. Et c'est sous les tours, on n'a pas toutes données que le nouveau directeur là, comme nous connaissons déjà, c'est Auguste Monès, qui est directeur départemental, qui mettait plan ça à exécution de toute unité, service, responsable
et policiers qui travaillent dans différents lieux de police. Objectif que direction départementale a visé, premièrement, c'est assurer que période fin d'année ça a été intacte et stable, j'en étais pour année. Faciliter à tout le monde qui est capable de circuler sans hésitation. Trois, c'est veiller à stricte observance tout le monde qui est suspect, qui est capable de gagner intention pour troubler la paix, comme des bandits, des fauteurs de troubles. Portez attention. Nous sommes soutenus sur la circulation parce que nous connaissons que période, ça c'est période, côté Mongal-Bregwok, et il y a un peu de bagaille qui est arrivé, accident, grave accident de circulation, c'est qu'il y a une visibilité policière au niveau de l'artère ville-Languien pour permettre que tout le monde va librement à l'activité, contrôler de manière serrée toute activité socio-culturelle. C'est-à-dire qu'on est que des côtés réveillants, un peu de bagaille qui a fait, ça y est, que la police a voyagé sous yo. En termes, ça c'est objectif. La police de la région a demandé collaboration citoyenne pour dénoncer toute mauvaise et suspecte dans la zone yo parce qu'il y a un pile de bandits pour quitter la capitale haïtienne pour venir cacher en dehors. PNH la garantie la population que cette fin d'année yo a bien passé parce qu'il est en contrôle. William Comestis, RGDH, Radio Guinée d'Haïti 92.9, Port de Paix. Direction Parlement haïtien, Commission économique et financière députée a rencontré ministre planification et coopération externe Jean-Claude Pierre dans le cadre d'analyse projet loi finance pour exercice 2018-2019. Président de la Commission Gandhi Dorfeuil, dans l'intervention demandé ministre planification Jean-Claude Pierre pour bailler un rapport détaillé de l'utilisation de l'agent qui était mis à disposition du ministère planification dans l'exercice passé. Commission économie, finance et budget. La Chambre des députés invite dans le cadre prérogative qui s'est contrôlé travail et gouvernement fait, ministre a fait et toute entité qui est dans l'État comme organe de contrôle. Année passée là, pour budget rectificatif là, qui a voté en bas, en pile bataille, après 4 séances, séance marathon. Les députés ont été votés le budget. Ça. Nous constatons que le ministère de la planification et de la coopération externe, que le budget n'a pas dit de rapport pas près. Le constat que la commission a fait, rapport pas près pour les dépenses qui étaient faites sous le budget rectificatif. Maintenant, en ce qui a trait à budget 18-19, ça, qui a l'étude ici au niveau de la commission a choisi d'inviter dans le cadre séance de travail qu'il a fait yo, pour discuter avant sur question façon que le budget a été préparé. L'en considéré rencontre qu'il a été fait avec le ministre des Finances hier, il a capable de pile éléments que le ministre des Finances n'a pas en mesure pour le débat parce que le budget n'est pas préparé, c'est le ministère de planification qui est préparé. Dans la commission économie et finances, avant le budget ça on prend note, t'es arrivé ici là dans la chambre, à qui laisse le ministère de planification te chita pour le préparer le budget. Ça, c'est une question pertinente. Et nous avons au niveau de la commission, qu'on est pour qui ça, il y a un projet qui était dans le budget rectificatif là, qui n'est pas comme exécuté, qui a un contrat qui est en cours, peut-être qui est en une validation pour suivre des comptes, le projet ça va disparaître alors que des questions ne sont pas faites pour eux. Ça sont anomalies très graves, côté que le budget voté, qui reconduit, il y a des projets qui sont dans le budget ça, et qui finalement, dans le budget ça, nous avons projet qui disparaît. Dans la même de quel droit, qui moun qui retire le projet ça, ou dans le budget ça, parce que ça, nous avons une réponse sur ça dans la commission. La ville débute à parler, la ville débute à plein, débute yo, c'est représentant de la population. C'est ça qui fait toute loi qui a passé dans le Sénat, il faut le passer dans la Chambre des députés. D'abord, parce que nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui, Chambre d'Akado, la Chambre des représentants. Nous-mêmes, nous avons plus de proximité à la population, hein, qui fait que si on a un problème dans le cadre d'intervention de l'État, dans le coin, dans les zones régulées, donc c'est député qui a à même à mesure pour connaître qui problème la population a gagné dans le point de montagne côté oui, dans toute section communale. Ça, c'est dans le cadre de préparation. Donc, les problèmes qui se posent, et nous arrivons à un point côté que
gen problem de dekesman, gen de proje ki genyen fiyop yo kale, yo pa gen mwen dekesman. Gen de moun, gen de proje ki gen de dekont, gen de kranj kob, gen de firm ki prete l'ajan, ki depanse pou premier dekont yo, donk dekont sa yo pa gen mwen minister planifikasyon pa gen mwen son goud. L'autre question qui intéresse nous dans la commission, c'est au niveau des décaissements. Décaissements, qui j'en fiop ça, comment vous préparez fiop ça? Dans le quelques éléments sur la question ça, est-ce que dans le cadre fiop ça, vous avez fini de préparer? Est-ce que le ministère qui va diriger a toujours joué une validation pour des comptes, pour tout projet qu'il a exécuté? Est-ce qu'il a toujours joué une non-objection tout de CNMBA qui est responsable de question marché? Donc, est-ce qu'il s'agit des contrats? Mesdames, Messieurs, à côté, Président de la Commission économique et finance, Chambre députée à Gandhi, Dorfeuille, ministre de planification et coopération externe, Jean-Claude Pierre, expliqué devant la Commission, ministère, qui travaille en collaboration avec tout acteur dans le cadre d'exécution, budget d'été gagné pour faire intervention nécessaire. Je dois vous dire que le rapport est prêt. C'est juste qu'on a eu un problème de pression. Étant donné que la lettre d'invitation, je ne l'ai reçue que hier, en fin de soirée. Donc, on est là, on tenait à y être, à temps, et avec un souci de ponctualité. Et j'ai donc engagé mes directeurs techniques à préparer cette réunion, mais sauf qu'ils n'ont pas eu le temps de faire imprimer, et notamment le directeur, le coordonnateur de l'UEB, il n'a pas eu le temps de faire imprimer le rapport. Quel est l'avenir à voir, monsieur le ministre? Au courant de cette journée, monsieur le président. D'accord, merci. Très bien. Autre chose, enfin, maintenant pour en venir, pour répondre aux questions qui m'ont été posées par vous, honorable député, monsieur le président. La toute première, c'est quelle personne ou entité le MPCE, donc le ministère de la Planification et de la Coopération externe, a contacté dans le cadre de la préparation du budget. Il faut dire que. La préparation du budget incombe à la fois au ministère de la Planification, mais aussi au ministère des Finances. La partie qui nous incombe à nous autres, du ministère de la Planification, c'est le budget d'investissement. Pour ce qui est du budget de fonctionnement, et ça relève, M. le Président, comme vous le savez, du ministère des Finances. Maintenant, à qui a-t-on parlé pour élaborer le budget, le projet de budget? Et évidemment, j'avais envoyé un mémorandum à tous les secteurs, à tous les autres ministres, leur demandant et de me faire parvenir leurs propositions pour et le budget, en vue de la préparation du budget. Et je ne me suis pas arrêté à ce mémorandum. On leur a par la suite adressé écrit, on leur a demandé, que ce soit sur un mode formel ou informel, et de mettre, de déléguer ceux de leur cadre technique et qui sont compétents par rapport à la question à débat, savoir la préparation du budget, et qu'ils prennent contact avec les cadres techniques du ministère du MPCE concernés par la même question, savoir la préparation du budget, pour justement discuter des propositions et à insérer ou encore des modalités d'insertion de leurs propositions dans le budget. Voilà, donc on s'est assis avec tous les secteurs, les 17 autres ministères, et on s'est également assis avec... Oui, c'est les ministères qui également, enfin, attendu qu'il y a des ministères qui ont sous leur tutelle et des organismes autonomes ou déconcentrés, donc on s'est assis avec tout le monde, qu'il s'agisse du ministère de la Santé publique, du ministère de la Justice, du ministère de l'Agriculture, donc on a reçu des propositions et qu'on a pris le soin d'insérer dans le projet du budget. Maintenant, pour ce qui est de la deuxième question qui a été formulée par vous, Monsieur le Président, savoir pourquoi des projets ont été enlevés du budget. Et dois-je vous dire, Monsieur le Président, que là, je me suis accompagné de... Je n'ai pas eu le temps d'en faire la présentation. Je me suis accompagné de la plupart de mes directeurs techniques, donc précisément de ceux qui sont concernés par la préparation du budget, qui ont été à pied d'œuvre dans le cadre de la préparation du budget. Donc, il s'agit là des principales chevilles ouvrières et de la préparation du budget en question. Ministre économie ou encore ministre planification et coopération externe, Mesdames, Messieurs, Jean-Claude Pierre, dans le cadre de rencontre avec Commission économique et finance en Chambre députée, mercredi 19 décembre 2018, la rencontre dans le cadre d'analyse projet de loi finance pour exercice 2018 en 2019, là, toujours.
Dans le chapitre économie, il y a le président du groupe éducation économique et financière, Edgard Emile, qui fixait position sous le projet de loi finance 18-19 ans qui est déposé dans le Parlement. Selon l'économiste Edgard Emile, budget 18-19 ans, fait qu'on ait budget 18-19 ans, pas fixé aucune création de richesse. Projet loi finance 18-19 ans, qui est évalué à 172,8 milliards de gourdes, qui est déposé dans le Parlement haïtien, a attiré attention plusieurs personnalités dans différents secteurs. Parmi eux, président groupe éducation économique et financière, Edgard Emile. Dans une conférence pour la presse, mercredi 19 décembre 2018, l'an, pour analyser budget 2018-2019, l'an, économiste Edgard Emile constatait augmentation impôt sur le revenu pour limiter pouvoir d'achat en groupe monde. Selon économiste Edgard Emile, budget n'est pas transparent et prend plusieurs exemples pour démontrer ça. Moi, je dis que budget n'est pas transparent. Et ceci me donne plusieurs exemples. D'abord, budget investissement. En fait, budget à soumettre là dans le Parlement sans que il pas avec annexe budget investissement détaillé totalement. C'est-à-dire que mon gros flou n'a même pas qu'on effectivement tout détail. Deuxièmement, recettes entreprises publiques. Vous mettez un montant comme ça, personne ne connaît qui quantité aéroport, personne ne connaît qui quantité APN, personne ne connaît combien de quantité OABCT. Et c'est des entreprises publiques qui gagnent obligation pour que tu gagnes transparence sur ça gagner comme recette. Donc là, moi-même, moi devant un budget qui floue parce que recette, ça n'a pas ventilé. Un budget, économiste Edgard Emile estimé qui est déficitaire pour diverses raisons, il pral cité là. Parce que moi regarder chiffre qui ça capable de gagner comme recette, qui ça va capable de gagner comme dépense, moi déjà anticipé un déficit budgétaire assimilable à ça gagner l'année dernière là qui a autour de 30-35 milliards de gouttes. Et ça c'est si pour mes étrangers à faire t'as beaucoup plus que ça à prévoir pour capable différent de ça me dit là. Donc budget a déjà déficitaire depuis un jeune que le configurer. L'autre élément comme on dit que budget pas citoyen et pas participatif. Dans budget qui prévoit pour année 2018-2019 là, gain budget quelques institutions dans l'état qui augmenté et gain l'autre qui diminué. Comme ça tout, gain ça qui pas changé. Numéro 1 groupe éducation économique et financière là et Edgard Emile a expliqué. L'argent il crève en tout cas augmenté mais n'a pas parlé de combien l'argent. De 65 à 74 millions de gouttes, inférieur à 1 million de dollars américains. Même s'il augmentait, mais pour moi, il était marginal. Aussi valable pour l'ULCC qui passait à 244 milliards de gouttes. Budget parlement, il y a une réduction qui fait sous lui. Avant, il était 7,1 milliards de gouttes, il passait à 5,9. Donc, une réduction en termes nominal qui fait sous budget parlement. Généralement, selon l'économiste Edgard Emile, le budget a été soumettre dans le mois de juin et voté dans le mois de septembre. Alors que, si dans le mois de décembre, le ministre économique et finance a déposé le projet de loi de finances 2018-2019 dans le Parlement, ce qui prouvait un vrai retard. Pendant la population attend décision parlementaire sur dossier ça. Chesley Jean-Baptiste, Radio Guinée d'Haïti. Groupe croissance en collaboration avec différents partenaires en tant qu'Observatoire Société Civile sous Finances Publiques avec Réseau Journaliste Économique pour Développement Durable organisé mercredi 19 décembre en une séance travail pour présenter résultats enquête EMUS 6 pour l'année 2016-2017. Là, responsable Régé de la Luc Niagaro qui t'a pris une question radio Télé Guinée fait qu'on est enquête ça, mettez à disposition des décideurs plusieurs informations pour permettre de prendre plus bonnes décisions dans la préparation budget. Réseau journaliste économique avec Observatoire sous finances te prend décision ça pour te mettre une série d'informations qui est utile à disposition journalistes. Pour qui ça? Parce que enquête EMUS li fait pratiquement chaque année, nous sous 6e édition, son enquête qui fait pour ministère santé pour dire mes tableaux, mes situations, mes chiffres, mes besoins. Réseau journaliste économique avec Observatoire finance et groupe croissance t'estime que l'important pour des données comme ça pas été caché. Journalistes en particulier connaît données ça yo. Pour yo capable utiliser un reportage yo pour mettre pression sur décideur yo parce que l'enquête menée ou pas résultat mettre dans tiroir son corps qui gaspillé maintenant journaliste qui capacité ça pour faire pression sur décideur yo si yo connaît donné yo connaît combien de monde qui mourir à la naissance yo connaît combien de femmes qui mourir pendant la naissance yo connaît qui valait monde qui gagne via sida yo connaît qui valait monde qui gagne qui vit avec problème tension etc. Yo capable mettre pression sur décideur yo pour dire yo maintenant qui secteur pour intervenir d'où nécessité pour nous faire rencontre ça présenter rapport enquête là bas journaliste yo dans quatre travail qu'on y a là pour qu'on connaisse mais qui domaine qui méritait des attentions pour y mettre à disposition des citoyens. Toute information sera disponible alors que le projet de loi de finances 2018-2019 là déjà déposé donc solution tu es supposé et joindre en dans budget. Au fait document li nan main autorité yo jodi a instance qui te mené enquête là
fait présentation pour journaliste, mais document remettre déjà à autorité. Est-ce que qu'on y a ministère santé prend ça en compte dans budget t'a bail ministère finance pour démettre dans projet de loi de finance là, nous pour regarder ça dans chiffre. Lorsqu'il y a 12 milliards de gouttes qui disponibles pour le ministère de la Santé, il y a quelqu'un qui a dit bravo, bon effort fait pour le ministère de la Santé qui a plus de COB. Maintenant, comment MSP peut utiliser COB? Ça, c'est ça qui est la question. Est-ce que le ministère de la Santé prend en compte le fait que dans la section communale, les femmes continuent à mourir à la naissance, si les gens n'ont pas joué 6 mois à l'allaitement que l'OMS recommande? Est-ce que qu'on y a la répartition pour le faire dans le budget MSPP avec 12 milliards de gouttes là, les gens prennent en compte point ça, nous pouvons garder l'exécution. Année ça, nous avons MSPP qui a 12 milliards de gouttes. Ils ont fait une présentation pour nous comme journalistes qui dit nous mes besoins en termes de santé. L'année prochaine, qu'on y a là, il faut regarder. Là, ils ont fait EMU 7 là, qui ça qui a amélioré dans le domaine de santé, qui ça, le ministère a fait avec 12 milliards de gouttes qui ont été balayés. C'est là que nous avons gagné plus d'importance. C'est là que nous avons la nécessité, la formation que nous offrons aujourd'hui à les journalistes, la présentation que nous faisons pour eux. C'est prochainement, à partir de janvier, le budget 19-20 commence à préparer. Pour nous rappeler ministère de la Santé, mais qui ça nous a comme données, non mais nous comme nécessité, est-ce qu'on va prendre en compte dans le prochain budget qui va venir, puisque le budget 18-19 l'a déposé déjà, nous presque pas qu'à faire avec, il faut nous veiller 19-20. C'était Mesdames, Messieurs, responsable Gédelan, Lucner Garo. Conseiller politique président de la République, là, Charlot Jacqueline Junior, encourage acteur politique Yoshita Pali dans dynamique dialogue chef l'État, Jovenel Moïse Lancia. Charlot Jacqueline Junior, qui a participé dans l'émission d'Ile Jean Lié sur Radio Guinée, mercredi 19 décembre, fait qu'on ait un dialogue là nécessaire pour aborder véritables problèmes sociaux, économiques et politiques du pays. Faut que tout acteur, les acteurs sociaux, les partenaires financiers, les acteurs politiques, nous capables de garder une perspective d'avenir et à court terme, à moyen terme et sur le long terme pour nous dire, mais qui orientation dans la Haïti. C'est en ce sens justement le dialogue tant lancé par le président de la République et par le premier ministre est justifié, justement parce qu'il y a un état de fait que ce pays est dans une situation socio-économique grave et que les délaissés de la République, les marginaux de la République ont aussi la responsabilité, ont aussi la volonté de participer à la construction de l'édifice national. Et pour cela, il faut que un cadre général qui crée pour faciliter que ça fait. C'est-à-dire dialogue là autour de qui ça? Bon, le dialogue prôné par le président de la République, son dialogue, on t'a dit, qui gagne trois dimensions là-dedans. Il y a la dimension politique du dialogue, côté que les acteurs politiques entre eux, ils ont pral parler, acteurs politiques ont pral discuter sous question élection, sous question amendement constitutionnel, et sous question et pacte de gouvernabilité, comment nous le pays a dans les 10, 15, 25 prochaines années. Il y a le dialogue social. Le dialogue social, c'est avec les forces sociales de ce pays, c'est-à-dire groupes syndicats, et groupes paysans, groupes de jeunesse, groupes étudiants, etc., pour nous garder effectivement comment nous sommes capables d'orienter le pays vers des projets sociaux qui sont beaucoup plus inclusifs et qui sont beaucoup plus capables de tenir compte de l'intérêt mounio vraiment. Parce que l'une des responsabilités premières de l'État, c'est faire en sorte que chaque individu qui vit dans la communauté a senti que y a une prise en charge collective qui est faite et qui est capable de faire lui-même individuellement, capable d'évoluer. Troisièmement, c'est le dialogue économique, parce que je vous dis, vous n'êtes pas sans savoir, la réalité socio-économique du pays est extrêmement difficile. Nous gagnons très peu de producteurs dans ce pays, la production nationale est au plus bas et niveau, côté que et tout ça n'a pas vivre là, n'a pas consommé, c'est des bagages qui sortent à l'étranger, c'est pas des bagages que Haïti produit lui-même. 77 nous quitter étape économie de rente là pour nous entrer dans économie de productive réelle, côté que moun a produit biens et services et qui capable permettre que gain valeur ajoutée sur le marché économique. Et ça, je pense que les partenaires économiques, que ce soit banque, que ce soit d'autres institutions financières, coopératives ou et mutuelles, etc. Et il faut qu'ils soient impliqués, le secteur privé des affaires, le grand secteur privé des affaires, et il faut qu'ils soient impliqués au plus haut niveau, justement, dans le dialogue économique pour aller beaucoup plus vers la production nationale. En même temps, côté que nous avons tenu compte de possibilités de gagner dans l'économie, ça, pour que tout le monde vienne place sur la donne. Parce que l'économie haïtienne aujourd'hui, il y a un petit côté formel qui gagne un groupuscule de monde qui gagne tout le vieux. Et puis, la grande économie nationale est informelle et ce secteur informel, malheureusement, et monde, ça gagne très peu de services. Il y a très peu de capacité justement pour bénéficier de crédits, de prêts au niveau bancaire. Donc tout ceci doit faire partie d'un dialogue, Mtakadi, tridimensionnel, qui a tenu compte de la dimension politique, de la dimension politique, sociale. Et le signal là doit sortir du côté du président de la République. Mabdou, que déjà,
président de la République là, plusieurs reprises, dans plusieurs interventions publiques, il réitéré cette volonté au dialogue. Le président croit fondamentalement que le pays n'a pas arrêté Jean là sans que les Haïtiens pas chita entre eux même pour dire qui orientation à bas pays. Il baille la responsabilité au premier ministre de mener le dialogue politique, autant que du côté du Palais national et en particulier du président de la République, gain un certain nombre de rencontres qu'a faites avec divers secteurs de la vie nationale et dans le secteur économique, dans le secteur social, justement, pour garder comment nous capables d'aborder les défis haïtiens aujourd'hui. Et les défis de ce pays aujourd'hui, c'est défi soins, la santé pour tout le monde, c'est défi éducation pour tout le monde, c'est défi logement social, pas forcément pour tout le monde d'un seul coup, mais aller vers une perspective pareille. C'est défi mettre les infrastructures de base dans les régions du pays pour permettre que le développement arrive. Fait, ce sont les prérequis du développement, j'ai président Remédil. C'est défi pour faire en sorte que jeunesse pays a pas d'incertitude par rapport à l'avenir, reprenne confiance par rapport à l'avenir pays a et est capable lui-même artisan propre changement que le souhaitait, c'est défi pour que moun yo confiance dans l'institution républicaine, c'est défi pour que l'institution l'État yo marche vrai, c'est-à-dire et que ce soit le Parlement, que ce soit le gouvernement, que ce soit le pouvoir judiciaire. Donc, pays a fait face, c'est aussi le défi environnemental, parce que je dis, la dégradation de l'environnement en Haïti sont extrêmement graves qui nécessitent un apport rapide de l'État central et en particulier aussi des mairies. Donc, nous avons un pile défi et ces défis n'ont pas capable d'aborder nos climat, nos environnement politique instable. Et c'est pour ça, justement, le dialogue est important. Et le président lui-même l'a lancé au intérêt, à volonté à chaque fois pour entrer dans le processus dialogue-là. Mais bien plus que ça, il y a des démarches qui ont faites et avec des acteurs de tous bords pour que nous entrions dans le processus de dialogue. Mais je dis à Mkababdou, il y a des pré-dialogues qui ont faites bien avant que nous entrions dans le total dialogue pour nous ensemble joindre un pacte de gouvernabilité qui cap permettre qu'Haïti lui-même, dans les 20-25 prochaines années, il sorti de cette ornière. C'était Madame, Monsieur conseiller politique, président de la République, là, Charlot Jacqueline Junior, qui encourage acteurs politiques Yoshita Palé dans la dynamique dialogue chef l'État, Jovenel Moïse, Lancia. Tout le monde qui fait nouvelle, Waptandel sous Radio Guinée. Hey Philippe, toi qui veux acheter une voiture neuve, écoute ça, le groupe Sogebank propose une nouvelle offre. Ah oui? Vas-y, je t'écoute. Tu fais ta demande de financement en ligne sur le www.sogebank.com et tu as la réponse en 24 heures. Ça veut dire, m'ka mandé financement sur web là, l'emvle, côté m'vle? Exactement. Et dès que ton financement est approuvé, tu vas chez le concessionnaire de ton choix pour prendre livraison de la voiture de tes rêves. Waouh, extraordinaire! Oui, et tu as accès aussi à une calculatrice interactive pour simuler la mensualité du financement et de l'assurance incluse. Ça a tout neuf! Mon cher groupe Sogebank, pas dormi! Je vais tout de suite compléter mon application en ligne. Attends, ce n'est pas fini! Pour cette fin d'année, tous les clients approuvés recevront en plus une carte de crédit préapprouvée Sogecard. Waouh! Belle bagaille! Un financement Sogefac, une couverture d'assurance complète de Soge Assurance et une Sogecard préapprouvée, tout ça en ligne et en quelques minutes seulement, c'est la première fois que je me dis ça. C'est vraiment une toute autre expérience. Pour plus d'informations, appelez le 22 29 50 00. Groupe Sogebank, toujours vos côtés. Sogebank! C'est un bagaille, le Wafeli, ou prend un bon petit feeling nada. Pas de monde qui témoin. C'est seul ou même. Doit tout. Accélère-le. Salut. Bienvenue dans l'ISA. Tout le monde à la ronde barre de Cap-Jobolette, c'est ton lolo à chanter pour l'ISA Loto. Avec l'ISA Loto, ou pas besoin de faire one pot pour jouer. Parce que, bon, vous allez tout de suite dans le téléphone. Fais mariage boulou. Poussez boulou à crever. Fais ça tchalao di ou. Quitte dans l'auto ou soit plaçage. Fini ou fini, ou après se voir un SMS comme fiche confirmation pour tirage ou à jouer. Songez, ou kamize à l'ISA Loto jusqu'à midi 15 ou soit 7h25 à souhait. L'ISA Loto affiche même résultat à l'auto New York là. Là ou gagne, al touche 100 gratte tête dans les potes bureau mon cash ou soit Songez Express qui baille service l'ISA Loto. Pour plus d'informations, relève nous gratis dans 888. Pas de gratte tête, l'on je bon let, fais 888, je vite. Coq la chanté, soleil poco levé, nouvelle d'ouvanjou réveille tout Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée n'a kabanou avant jour à informer. Nouvelle d'ouvanjou, 3h du matin, ça a son expérience natif natal. Tendez pour quoi, pas quitter Mundi. 3h du matin. Tant de nouvelles, sous Guinée, tant de paroles, et Guinée, tant de nouvelles,
Merci, mesdames, messieurs, pour fidélité. Bienvenue dans la deuxième partie nouvelle là. Nouveau commissaire gouvernement pour Port-au-Prince-Lan, M. Villard Paul-Héronce, dit qu'il a déjà commencé à travailler sur une série de dossiers qui gagnent dans le parquet. Dans le cadre d'une interview accordée à la presse mercredi 19 décembre, bien, M. Villard Paul-Héronce fait qu'on a une mission dans la tête parquet Port-au-Prince pour combattre détention préventive prolongée dans la juridiction et faire suivi sur tout dossier selon règles avec principes juridiques. Nous avons un greffe paquet tribunal. Nous avons fait évaluation de toute quantité de dossiers que nous jouons. Nous avons établi un système de rapport, c'est-à-dire que nous avons tout profité à annoncer la presse que chaque mois, nous avons un point de presse, l'état d'avancement des dossiers. Donc, ce n'est pas un bail qui est nouveau, d'ailleurs, c'est un bail qui est inscrit. Il est inscrit dans la loi de 2007 sur le statut de la magistrature. Côté que chef juridiction, yo, doyen tribunal là, commissaire du gouvernement, gagnent pour devoir pour informer l'opinion publique. Je crois que c'est l'article 69 de la loi de 2007 sur le statut de la magistrature, informer l'opinion publique sur l'état d'avancement des dossiers de la nation. Donc pour nous faire ça, nous obligés faire un inventaire. Nous faisons état des lieux, nous commençons ça matin. Hein. Nous faisons un inventaire de tout dossier qui n'a pas qu'à, quelle que soit dimension dossier. Yo. Suite après inventaire ça, nous allons déterminer de stratégie de travail. Tant qu'on me dit, nous, même toujours animé par le désir de servir, nous venons là, c'est servir. Et pas un jour qui a passé sans ne pas avancer parce que le travail est en pile. Nous avons plein en prison. Dossier ou en pile et au pape qui résout la question de détention préventive là dans un discours seulement. Ce n'est pas parce que vous allez combattre, il y a des stratégies pour déterminer. C'est ça que je me dis, la justice, son bagage qui s'élève. C'est vrai, il y a des dossiers qui sont urgents, mais moi-même, pour moi, dans la conception de la justice, tout dossier urgent. Parce que depuis qu'il y a un rapport avec la liberté, ou un rapport avec le bien, ou un rapport avec la vie, droit monde pour moi c'est deux questions fondamentalement urgentes. Donc c'est ça qui fait jeudi hein, nous 24 heures ou bien moins de 24 heures après prestation de ses membres, nous commençons exactement dans samedi dimanche. Donc nous commençons inventaire, nous avons gain connaissance nombre de dossiers qui existaient dans paquet, n'a fait évaluation pour nous comment on va l'aborder, nous commençons déterminer de stratégie, nous commençons à remanier cellule paquet parce que administration faut fonctionnel. Moi-même, ça qui intéresse, si nous voulons gommer véritablement contre détention préventive, là, c'est pour nous opérationnaliser la machine. Là. Donc, si vous avez une machine, vous ne pouvez pas faire service là-dedans. Il n'est pas bien huilé. Chaque monde n'a pas de rôle. Chaque monde n'a pas de obligation de travail. Il y a un quota de travail. Chaque mois, nous ne pouvons pas avancer. Donc, moi-même, dans l'administration, maintenant, outre d'autres questions à régler, il faut que chaque mois, nous connaissions. Pas substitut. Qui quantité de dossiers qui entrent, qui quantité de dossiers traités, si vous pas traité, pour qui ça vous pas traité, moi pour moi, tout problème de détention préventive, là, il commence dans cette situation. Ça. C'est ça que je me dis, encore une fois, nous avons en trilogie. Statistique, évaluation, rapport. Statistique, évaluation, rapport. Pour nous connaître qui côté nous sorti, qui côté nous y est et qui côté nous privé. Donc, Mbaye garantie, c'est mon combat. C'est mon combat, c'est goumer contre détention préventive. Là, mais en utilisant d'autres stratégies. Donc, c'est la stratégie de travail. Donc, là, pour me travailler, nap travail, autorité, fait confiance, nous avons un problème là, il faut résoudre. Parce que ce n'est pas possible en 2018, on n'a pas approché la question comme ça encore. Donc, ce n'est pas par le discours, mais ce n'est pas le travail. C'est notre travail là, il faut montrer par la transparence. Que nous progresser chaque jour dans le travail. Donc, comme moi, nous en cours d'évaluation, nous avons en quantité devant moi. Automatiquement, nous avons une quantité qui exactement dans le paquet. Je vais l'autre point de presse pour me dire, même je vais tant de dossiers, mais qui côté nous est, mais qui côté nous avance. Le premier marin m'a dit, nous, c'est que la justice est un mode de fonctionnement. Depuis la justice, nous avons dossier et droit déterminer comment pour faire cheminement dossier. Il y a les procédures. Bon, pas dit maîtriser procédures parce que c'est tout le monde, même quand très confiant avec les règles de l'art, n'a
Nous ne pouvons pas mettre l'accent pour nous dire tel ou tel dossier. Quel que soit le dossier, c'est la justice qui vous traite. La justice est formelle. Elle a déjà déterminé le principe pour résoudre la question. Donc moi-même, je vais être ça comme défi pour toujours être dans le cadre de la loi. Pour me faire toute ça la loi dîme sur tout dossier que m'a traité. Maintenant, ça qui arrive que mon dossier défrayé la chronique, il n'y a pas de problème. Donc la justice, son service public. Tout ça, la publicité, c'est un principe de justice. Donc si le public est intéressé à un dossier, il n'y a aucun problème. Mais la justice formellement déjà déterminée comment pour n'importe qui dossier traiter. C'était Madame Mèche Nouveau, commissaire gouvernement Port-Prince-Lamet-Villa-Paul et Ronson. Dirigeant Vision Haïtienne, trois mounes, mandé l'État haïtien créer moyen pour permettre trois mounes respecter dans le pays à Jean Meillans. Autorité haïtienne, nous pas de l'été abdomi sous situation de trois mounes qui a gardé dans le pays, selon juste ministre qui est secrétaire général Vision Haïtienne, trois mounes. Division VHDH qui tape analyser situation de droit monde dans le pays, et spécialement si la route est en prison, c'est remarqué nécessité qui gagne pour l'État haïtien, montrer volonté au gagne pour changer modèle gouvernance et puis travail pour remonter mauvaise pente dégradante de droit monde dans le pays d'Haïti. Jules Romine. Les droits de l'homme, et il y a toujours une préoccupation pour nous, à chaque fois qu'il nous est. Et le peuple haïtien n'a pas qu'à trouver dans une situation côté chaque haïtien doit respecter. L'un parle de doit respecter, doit yon respecter cela. Côté yon santé de qualité et accessibilité disponible, yon éducation de qualité et accessibilité disponible, yon qui sont logement de qualité et accessibilité disponible, yon qui sont des alimentations de qualité accessibilité disponible et autres. Donc, je n'ai pas de faire ça qui passe à travers le pays. Son dégradation totale dans la question citoyen, doit citoyen, c'est pas un son irrespect total dans la question doit citoyen. Sous table de chaque haïtien, je ne veux dire, sous pas dans première place là, ou à plus de coupette, ou à plus de coupette. Dans ce souci qui écoute, ça n'a pas ou à bon, on ne pas manger pour manger, pour pas mourir, mais c'est pour bagage de qualité qui est accessible, qui est disponible. Et pour regarder ma tour du côté haïtien, il y a un monde dans la bouille abdomen, c'est dans la fatra abdomen, c'est dans la crasse qui est abdomen. Éducation, son bagage qui est totalement négligé en Haïti. Donc, pour ne pas dire, pas faire éducation, il y a facilité, il y a si mon agit en route, mais l'on a gardé sa capacité d'un en termes d'éducation de qualité, c'est pour bagage sérieux. En termes de service qui respecte les respectifs du monde, c'est pour bagage qui a fait. Nous, même au niveau visuel, c'est des droits humains, ça peut occuper. En plus, toujours, à travers le pays, on a gardé différents circuits qui gagnent dans différents domaines. Tout. Par exemple, on prend Sindafon qui est là, dans une question de conflit terrien. Qui ou pour les conflits terriens, ça, c'est un bagage. Donc, on sait des mondes qui ont fait être passé pour la police, qui ont fait être passé pour mal quelqu'un. On sait d'autorités publiques, tout, soit au niveau de la justice, au niveau de l'administration et communale, qui est censé être tout trempé. Mais, nous-mêmes, au niveau de l'agence des droits humains, c'est l'État qui l'a pour établir l'ordre social. Ensemble d'engagements qui prend, soit à l'échelle nationale, régionale ou internationale, c'est l'État qui l'a engagé. C'est l'État qui a engagement pour créer ensemble des conditions pour satisfaire les citoyens en termes de respect des droits. Mais Jules Rominis reconnaît qu'il y a un pile d'efforts qui doit être pour mettre la population dans une autre ambiance côté droit. Tout le monde respecte PHDH montré les traits estomaqués devant miser toute qualité qu'a frappé la population pendant qu'il a exhorté l'autorité pour toutes les mesures appropriées pour résoudre le problème de la monde dans la société. Jean-Méance, Radio Guinée d'Haïti, RGDH, Tiguave, 93.1. Ambassade France à Espace Campus France en Haïti organisé yon rencontre avec plusieurs étudiants finissant qui sorti dans diverses universités publiques tant qu'au privé qui n'a encore pu y avoir pour présenter un tableau d'études qui gagne dans le pays suisse, Wallonie, Bruxelles, France à Canada qui constitue monde francophone là. Représentant ambassade France là, Laurent Bonneau qui a préparé une question à la presse mercredi 19 décembre blanc fait qu'on ait initiative sa vision en même temps partager avec étudiants yo mécanisme pour faire demande à l'université qui n'a monde francophone non pour faire master. Monsieur Laurent Bonneau dit ambassade France bas opportunité 15 bourses études chaque année non master 2 à 15 bourses non doctorat. L'idée aujourd'hui c'est de faire à l'ensemble des étudiants une qui sont donc en étudiants finissants, hein, donc qui sont dans à la fin de leur licence, de leur présenter le panorama des études dans le monde francophone, donc en Suisse, en Wallonie, Bruxelles, et en France, au Canada bien sûr aussi. L'idée étant de le faire en partenariat et en soutien avec l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie. Ça concerne l'ensemble des universités. Alors très honnêtement là, vous voyez, on n'a pas pu inviter 2000 étudiants,
Donc on a invité une dizaine d'étudiants de chaque université de la Corpua. Donc on n'a pas invité toutes les universités, on a invité, mais elles peuvent être publiques ou privées, mais ce sont les universités adhérentes à la Corpua. Et ces étudiants seront un peu les ambassadeurs dans leurs universités de l'information et les relais d'information auprès de leurs collègues. Ça, c'est autre chose, hein. Donc là, l'idée, c'est de leur présenter le dispositif des études dans le monde francophone et notamment en France. Et c'est leur présenter un dispositif complémentaire de celui qui existe ici, hein, puisqu'on n'est pas, on est sur la logique de gens qui finissent leur licence, qui ne peuvent pas faire leur master en Haïti puisqu'ils n'existent pas, et donc on leur montre quelle est l'offre éventuellement donc en France et en France métropolitaine ou dans les Antilles. S'agissant des bourses, nous octroyons un certain nombre de bourses par an, mais ça c'est totalement indépendant. Nous octroyons une trentaine de bourses, une dizaine de bourses en doctorat, en l'occurrence 6 par an, pendant 3 ans, puisque c'est les bourses qui se tiennent sur 3 ans pour passer un doctorat, et nous octroyons entre 10 et 15 bourses de Master 2 chaque année. Le gouvernement français, effectivement, a décidé de rendre les études donc payantes, je dirais, comme dans l'ensemble des autres pays, notamment européens, mais également sur la planète. Donc, ce qu'il a décidé finalement, c'est que les études des étudiants qui étaient financés par les contribuables français seraient en partie pris par, évidemment, les étudiants et leurs familles. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'évidemment, cette mesure, elle concerne la planète entière et qu'il y a des étudiants qui viennent en France et qui ont les moyens et qui peuvent donc payer plutôt que ce soit le contribuable français. Le troisième point important, c'est effectivement, je dirais, la prise en compte des étudiants des pays avec lesquels on a des conventions de coopération, et en particulier le 18 pays ou 17 pays prioritaires de l'aide publique française, qui sont donc des pays essentiellement francophones, africains, mais également Haïti. Je pense que pour ces pays, il va y avoir un certain nombre de mesures qui vont être prises pour faciliter, je dirais, sur des critères soit académiques, soit sociaux, la capacité de ces étudiants à partir en France et à pouvoir financer ou en tout cas aider à financer ses études et donc ses frais d'inscription. C'était Madame Machereau, représentant ambassade de France en haïtien, Laurent Mbono. Non, il n'aime tant des nouvelles là, sous il n'aime tant des paroles là, non, il n'aime tant des nouvelles là, sous il n'aime tant des paroles là. Fondation Haïtienne pour Agriculture et Relance Économie organise une grosse cérémonie dans la soirée mardi 18 décembre pour remettre prime première édition prix Frédéric Kéboua qui est évalué à 250 000 goudes. Reportage Journée Saint-Éloi. Clara Jean-Louis, c'est non gagnante première édition prix Frédéric Kéboua que Fondation Haïtienne pour l'Agriculture et Relance Économie réalisé à Nessa avec plusieurs étudiants qui présentaient mémoriaux dans sciences agronomiques qui sortaient dans différentes facultés dans le pays. Président Fondation Haïtienne Agriculture et Relance Économie, M. Volny Poltre, dans l'intervention de l'occasion, expliqué prix Frédéric Kéboua, c'est une initiative fondation pour récompenser plus bon mémoire dans l'agronomie sur tout le territoire national. Là, pendant les 10 prix, ça a visé à encourager jeunes étudiants pour faire plus d'efforts. Nous prenons une bonne mémoire, meilleure mémoire, dans plusieurs facultés, yo mette yo ensemble et puis yo évalué yo tout, c'est-à-dire que gon jury qui évalué yo tout et puis dit comme ça, eh ben au niveau de chaque faculté, c'est ça qui est meilleur, mais au niveau national, mais ça qui est bon. Fondation se conduit à ça, c'est parce que c'est un outil que l'y concevoir pour supporter dépassement, pour supporter excellence. Fondation, elle dit comme ça que jeunes qui poil commencer travail dans le domaine agricole, faut nous encourager. Faut au moins au départ là pour commencer à yo content, yo en forme, yo bien armé pour y aller là-dedans.
Gagnant prix Frédéric Kebrois, Clara Jean-Louis, dit c'est avec un pile émotion de recevoir prix ça pendant d'encourager l'autre jeune yo pour prendre étude au sérieux, pour atteindre l'objectif yo et puis profiter occasion pour féliciter responsable Fario pour initiative ça. J'ai reçu le prix avec beaucoup d'émotion, donc je ne pensais pas que c'est moi qui allais gagner le prix parce qu'il y avait 13 mémoires qui ont été soumises aux membres du jury pour être analysées, etc. Donc je suis fière également de représenter l'université Kiskeya, donc à la faculté d'agronomie de l'université Kiskeya. La Fondation haïtienne pour l'agriculture et la relance de l'économie fait un très, très gros travail dans l'agriculture. Continuez à faire effort, parce que effort n'est pas passé inaperçu, il est récompensé donc, et de persévérer. Monsieur Edgar Janiton lui-même, qui fait partie juria, salue l'initiative Falan, lui dit qu'il pourrait pousser les jeunes étudiants à travailler plus dans l'idée pour décrocher le prochain prix Frédéric Kebrois. Encourager la promotion qui va venir après, pour faire mémoire, pour faire mémoire bien. Pour gagner rigueur scientifique là, pour respecter mon méthodologie, pour analyser les résultats comme il faut. Nous pensons que le fait même que yo ouais là, que y a un prix qui est décerné, qui gagne tel montant là-dedans, que y a un groupe université qui participe, pas les têtes yo, en nous améliorer production pas nous tout en termes de mémoire et puis climber caractère scientifique, caractère universitaire travail yo, de sorte que nous même tout à terme, nous capables participer dans concours là tout et peut-être gagner tout. Donc ça globalement a encouragé production bon mémoire, ça a encouragé tout recherche. N'a souligné gagnant premier prix Frédéric Kebrois, Clara Jean-Louis, c'est une jeune étudiante qui sortit dans faculté d'agronomie dans l'université Kiskeya. Jeunesse Saint-Éloi, Radio Guinée d'Haïti. L'autre information réseau politique PHTK mandé ben leader qui dans opposition pour faire une trêve politique pour quitter pays à marcher dans cadre d'une conférence pour la presse mercredi 19 décembre 2018 là coordonnateur général réseau politique PHTK Carrefour la mort Bélisère bien mandé pour programme assainissement atterri dans l'autre quartier qui gagne plus nécessité. Réseau PHTK Carrefour a voué un gros coup de chapeau au gouvernement Jovenel Séan. Gros travail en termes de développement qu'il a fait dans tout le pays. Réseau politique PHTK Carrefour a demandé à secteur politique antidémocratique sans conscience qui regroupe un ensemble anti-changement, yon bonne patrie proche. Côté que petit, yo, madame, yo, famille yo, dans l'autre pays, yon empêche le pays à prendre bon gens rail développement général. Réseau politique PHTK Carrefour a secteur politique antidémocratique, anti-changement. Hypocrite, c'est pays marché. Que dans tout pays, toujours gagne opposition. Mais c'est une opposition constructive qui a réglé les affaires pays. Mais ce n'est pas une opposition avec un petit groupe, pas quoi, dans le dialogue, dans la proposition sortie de crise, mais plutôt créer une situation d'explosif. Inciter le peuple à la violence contre propre tête liche. Parce que petit nèg sa yo, l'école à l'étranger, famille a bien vivre l'autre bord de l'eau. Mode comportement ça yo pas mener pays à aucun côté. Au contraire, yo créer insécurité qui empêchait diaspora et grand investisseurs viennent investir dans pays à pour créer emploi surtout pour jeunes femmes et jeunes garçons en dépit des formations académiques yo obligé pour quitter pays à pour yo aller prendre immigration dans pays voisin. Yo obligé accepter n'importe condition pour qu'on gagne pain quotidien. Réseau politique PHTK Carrefour a dit à secteur politique anti-démocratique sans conscience que c'est dans bon gens élection, élection libre, honnête, démocratique seulement que vous prenez pouvoir. Ce n'est pas dans l'élection côté peuple là te baille. Ce n'est pas dans l'élection côté peuple là te baille président Jovenel pouvoir. C'est dans l'élection peuple là te baille l'élection Jovenel pouvoir. Et c'est dans l'élection que le président Jovenel a pris le pouvoir. C'est dans l'élection que le peuple a été baillé le président Jovenel pouvoir. Et c'est dans l'élection que le président Jovenel a pris le pouvoir. Réseau politique PHTK Carrefour a dit fuck 5 ans constitutionnel que le peuple a été baillé le président Jovenel Moïse a respecté sans condition dans toute intégralité. Le pays fini avec question transition. Parce que c'est toujours à travers transition que l'opposition toujours prend pouvoir. Yo ka piller bien paysan parce que yo pa gagné compte à rendre en retour. Réseau politique PHTK Carrefour a tout profité pour nous demander à gouvernement Jovenel Moïse pour qui ça programme social qui symbolise apaisement social pour peuple là tant coup programme assainissement programme à terre plate yo pa arrivé sur monde qui vraiment nan nécessité yo. Tout simplement c'est parce que responsabilité yo pa bay avec moun qui pas
dans la question belle vision que le président Jovenel a prôné. Moun sa yo, pas de jambes dans la question 22 plus 1. N'a tout profité dans la même occasion ça, en tant que citoyen commune Kafou, pour nous féliciter mairie Kafou pour le gros travail de développement qu'il a fait. Pendant que n'a demandé à l'État central pour continuer à accompagner mairie yo avec moyens nécessaires pour qu'il en mesure pour faire développement dans toute commune. C'était Madame Monsieur coordonnateur général réseau politique PHTK Carrefour-Land, Lamar Bélizère, bureau départemental intégration mon handicap et organisé deux journées formation pour plusieurs ingénieurs et représentants association mon handicapé sous accessibilité universelle Magloire Bel Enfant. Dans l'idée pour permettre tout citoyen dans le département de Grand-Anse-Lan arriver prendre conscience sur question accessibilité universelle, bureau départemental pour intégration monde handicapé dans le département Sila, gain en tête li Modeste Génal, dans tête collé avec plusieurs cadres sorti dans bureau secrétaire d'État pour intégration monde handicapé, sans pas oublier mission des aveugles chrétiens, arriver organiser dans hôtel Le Sara deux journées de formation hier architecte et puis représentant handicapé dans le département de Grand-Anse-Lan. N'a invité autant dans si konsa sa, coordonnateur départemental bureau moun handicapé dans le département de Grand-Anse-Lan, monsieur Modeste Génal, dans micro radio Guinée d'Haïti pour plus de détails. Objectif formation aujourd'hui, c'est un séminaire de formation de deux jours, dans objectif pour permettre tout citoyen dans le département de Grand-Anse prendre conscience de questions accessibilité universelle. Parce que la vivre dans la communauté, il faut nous créer une place pour les handicapés. Parce que je dis à nous, nos logiques d'intégration des handicapés, et bien intégration des handicapés n'est pas faite sans question accessibilité universelle. Et c'est sous thème ça, tout le séminaire ça a été organisé. Un séminaire de deux jours, c'est un séminaire conjoint qui est réalisé entre BCEF et CBM, qui est un partenaire et BCEF. Donc, nous nous avons ciblé comme participants dans le séminaire de formation ça, c'était des ingénieurs, des architectes et puis et responsables associations moun handicapé yo et quelques représentants associations moun handicapé yo. Donc c'est pour nous qui fait qui ça permettre à ce que toute communauté grand-anglaise quelque soit apporté pour connecter assez avec tout le monde. C'est pour groupe moun ça aussi parce que yo même dans le domaine construction, yo ont un ensemble de boss qui travaillent avec yo et pour connecter que à partir de ensemble de formation ça yo désormais quand il y a construit il faut construire de manière accessible que ce soit pour yo que ce soit pour l'autre monde qui vient dans la rue parce que 12 janvier par nos exemples ou cap pas handicapé jodi là demain c'est vous pas handicapé on vivre avec un handicap de prendre créer conditions pour nous préparer l'avenir qui soit acte universel. Plus loin coordonnateur bureau départemental pour intégration monde handicapé Modeste Génal rete quoi après formation si là toute construction pour quelqu'un pour faire yo pour faciliter monde handicapé capable de circuler même gens avec monde pas handicapé yo. Magloire Bel Enfant pour RGDH Radio Guinée d'Haïti 95.5 Jérémy. Toute nouvelle radio télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Non, il n'aime tant des nouvelles là. Sous il n'aime tant des paroles là. Non, il n'aime tant des nouvelles là. C'est sur notre nouvelle arrivée dans Boutli. Rappel quelques principales informations. Nous sommes développés 17 mondes, journalistes assurés, 7 âmes, différents calibres saisis. C'est bien l'opération la police menée dans la commune Croix-des-Bouquets, sortie 10 pour arriver 19 décembre 2018, là, selon responsable commissariat commune Croix-des-Bouquets, commissaire principal Ronald Pierre. Commission économique et financière députée a rencontré mercredi 19 décembre, blanc, ministre de planification Jean-Claude Pierre, dans le cadre d'analyse projet de loi finance 2018-2019. Là. Président groupe éducation économique et financière qualifié projet loi finance pour exercice fiscal 18-19 ans, budget déficitaire dans une conférence pour la presse mercredi 19 décembre 2018 là, dans l'hôtel Marriott Turgeot. Fondation haïtienne pour agriculture et relance économie organisée dans la soirée mardi 18 décembre dans une grosse cérémonie pour remettre prime première édition prix Frédéric Quebrois. Voilà, mesdames, messieurs, c'est Point Sarah Campilote. Nous sommes développés pour une nouvelle la merci pour écouter avec attention. Dans le micro, c'était Emilias Noxon, Cap Invito, Rete Brèche Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit au Bougonais, son devoir pour Radio Guinée informer. Dans affaire information, Radio Guinée, pas la boule de qui s'en moune vle dit, ni yo dit, ni changer s'en moune dit.
nous faut entendre moun qui fait actualité à même à voix pâle dans Radio Guinée. Journaliste nous yo pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est ou pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans affaire information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée 10h30 AM radioguinée.com. Mon capote radio à la caillo, dans l'hôpital, dans voyage, dans bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, yon l'église. Tendez la messe devant jour, 4h30 chaque matin. Radio Guinée, yon expérience natif natal. Y a gen yon chans fè yon pa an avan.